Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 35e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors la dernière fois je vous avais laissé dans une grosse caca... Ouais, dans un gros caca, clairement. Voilà, il faut que j'élimine les unités d'Exalt qui arrêtent pas de m'embêter et de... Et d'essayer de me tuer. Voilà. Oh zut, on le voit plus du coup. Bon, pas grave, vigilance. Toi tu vas avancer. Mais genre pas beaucoup parce que t'es genre 13 genre de PV en fait. Il te reste rien. T'as pris tellement cher. Ah non mais c'est pas toi mon sapeur. Attendez, attendez, j'ai bien un sapeur. Oui j'ai un sapeur. J'ai eu peur. 10 PV avec un medikit. Ouf. En plus, on... Ah non, pourrait... j'ai cru qu'on pouvait re-soigner, mais bon. Ça aurait été trop beau. Je suis en route. Allez, venez vous cracher. Alors. Raté. Raté. Allez, tu me tires dessus. Ouh. C'est pas un alien, c'est un humain. Enfin, c'est peut-être encore un humain. Alors attendez 2 secondes. Voilà, j'avais juste l'impression que c'était un peu plus fluide que d'habitude, alors que j'étais encore en capture, du coup je trouvais ça un peu bizarre. Allez, boum, tu m'élimines. Donc toi tu restes en vigilance. Toi tu vas avancer, suivi par mon sapeur qui va venir te soigner parce que là vraiment tu me fais très très peur avec ton peu de vie là. Et on m'y reprendra plus, il faut que j'arrête d'envoyer des roquettes un peu à tout va. Sauf que là bon, c'était un peu indispensable mais... Ah zut. Je suis un poil trop loin quoi. Bon c'est pas grave, ça sera pour le prochain tour. Ouais, mettons en vigilance. Apparemment, ce sont les derniers renforts ennemis, commandant. Ah bah ça va alors. Coucou. Ah, raté. Le tir n'a pas fait mouche. Donc, 87 et 100%. On va commencer par le 100%. Il est raide mort. Ah d'accord, t'as pas de deuxième tir. Ce qui est plutôt embêtant, mais c'est pas très grave. J'y vais tout de suite. Comment ça, tu le vois pas? Bon, c'est pas grave, s'il bouge, on va se faire buter. Toi non plus, tu le vois pas, évidemment. Toi tu le vois mais par contre t'arriveras pas à le tuer. Du coup tu vas soigner plutôt. Secoue-toi et retourne te battre. Hop, tout le monde en vigilance. Coucou. Allez, 6 dans ta face. Heureusement que tu as touché, t'étais au corps à corps quand même. Hein. J'aime bien le mec avec son petit pistolet. Oh les mecs, calmez-vous. Ah, un élan combatif, c'est bien ça. Et donc il te reste plus que toi, que tu vas te prendre une balle de... Bah c'est même pas une balle, c'est du plasma.
Ça y est, c'est bon. Et bah c'est bien allé. Ah, il par contre blessé 7 jours pour mon gros machin. Réanimer les soldats, ouais, c'est pas mal ça. Déchiffrage des renseignements. Alors du coup. Terminé. Élimination des emplacements d'Exalt statistiquement improbable. Alors les Exalt est dans aucune des deux superpuissances de la guerre froide. Sauf que du coup, je crois que ça n'a pas encore changé, il reste toujours que 3 quoi. Ah zut, le rapport du conseil. Non. Voilà, Égypte et Japon qui se barrent. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ne touchez à rien! C'est peut-être ce que nous attendions. Qu'est-ce que c'est? Coupez-le vite, il pourrait détruire la base! Mais! Attendez. Pour une fois, faites-moi confiance. Elle va tout faire péter. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il fonctionne. Chef, la balise à hyperonde transmet des données. Ok, il y a un petit machin violet qui est apparu. Mais nous avons mis en danger la vie de tout le monde pour satisfaire la curiosité du docteur. Le jeu en valait la chandelle. Nous n'aurions jamais obtenu ces informations si nous n'avions pas persévéré. Ok, donc là il faut qu'on attaque le machin, sauf qu'il faut construire un vulcain. Ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Il faut un vulcain. Bon, on va faire un vulcain. Une matrice de défense. Visage ovni. On va faire un canon plasmique. C'est quand même badass. Surtout qu'on a plein de sous. On peut même faire un satellite supplémentaire. Allez. 14 jours pour un vulcain. Le canon est terminé. Voilà. Et réparation d'AML. Sauf que du coup, il n'y a plus de projet de recherche. Il n'y a rien à faire. Bon. On a la requête qui est bientôt terminée. Ok, on a un sabotage d'Exalt. Toi, t'es fait bien là, si ça peur. C'est parti. Donc on a récupéré notre surpuissance. Eh ben dis donc, il n'y a pas une mission, on va finir par faire le mois sans mission. Ok, opération d'extraction. Nous comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion. Ok. Ok, ok. On est bien. Alors, c'est parti pour l'Australie. Strike One, paré pour atterrissage. Retrouver notre agent secret. Oh, il doit pirater des trucs. Bon. Oh. Et surtout, je crois qu'on l'a déjà faite celle-là. YOLO! L'agent secret que nous avons envoyé allait obtenir des informations. Ah ouais, on l'a déjà faite. Je crois. Quand il a été interrompu. Non. Non, en fait, on l'a pas faite. Strike One va devoir le protéger pendant qu'il pirate les autres relais. L'obtention de ces données dépend entièrement de la survie de notre agent. Nouvel objectif reçu. Bon, ben on y va. On va rester groupé, cette fois-ci on va pas se séparer. Ce serait complètement bête. Affirmatif, commandant. Je bouge. D'accord.
bouge. Ok. Donc toi tu bouges pas en fait. C'est très bien. Oh là là, ça arrête pas de cracher, hein. À croire qu'ils savent pas parler. Alors, par contre, on va rester en vigilance. Ouais, voilà. Pour pallier ce genre de problème. Par contre, si tu pouvais tirer au bon endroit, ça serait cool. Canon électrique. Oh, tu sais pas viser, tu sais pas viser, tu sais pas viser. Ah, par contre, du coup, je vois tout le monde. Problème avec le réticule de visée. Le réticule de visée. Je suis en route. Alors, t'en vois pas plus? Bon, c'est pas grave. Du coup, on en a un de moins. Qui est pas une mauvaise chose. Ok. Ah oui, toi tu les vois par contre. Sauf que c'est très très embêtant. Tu te casses. Ah mais là, tu les vois aussi. On va te mettre en mode vigilance. Allez, là t'es en train de tirer sur mon agent là. Je veux pas ça du tout. Ah non. Ouf. Oh la vache. Oh la vache. Mais il m'a fait peur. Il avance à la vitesse de la mort. 5 sur 5. 90, 49. Allez hop, 90, gâchette rapide, tu me le tues. J'ai dit tu me le tues. Voilà. Je m'en suis occupé. Position confirmée. On va pas le voir grand chose. Allez, essaie de me le toucher. Ah! Tu m'étonnes. Ah, et tu vois quelque chose. Allez, tuer si je les ramène vers la position. J'arrive pas à les toucher. Yes. Allez, toi, tu me fais une fusillade. Gâchette rapide, bon ça fait une précision toute pourrie, mais si tu pouvais me tuer ça serait cool. Non. Parce que là, bon. Ah quoi que. 3 points de dégâts. Ah non, bah non, bah 3 points de dégâts, non, 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 c'est pas envisageable du tout. Je te mets en position défensive. Ce qui m'embête vachement quand même en fait là. Dégâts, ça va, mais c'est surtout là qu'ils sont quand même beaucoup et que ça commence à être un poil craignos. T'en vois qu'un avec 37% de précision. Ouais, non, 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 il y a un problème là. 1%, oh lolo, 10, c'est parce quoi les mecs là, vous avez tous attendez, mais vous les aviez vus déjà? Ah non! Bon, c'est une big mauvaise idée en fait tout ça. Bon, 100%, tu me l'élimines.
Toi, tu vas te mettre là. J'espère que tu verras personne. T'es obligé de se cacher, mais un truc de fou, quoi. Alors, toi, tu vois à 69%. Alors, 89. Zut, j'aurais dû faire une fusillade. Bon, enfin, pas une fusillade. Okay, je bouge. Un double tir. Ah, tu vois rien. 13 combien de PV, toi, en face? 4. Non! Qui est la boutique qui a fait 3 dégâts? Raté. Bon. Règle mon viseur. Je suis en route. Tu te mets en mode vigilance. Ah ouais, reste toi quoi. Je bouge. Hey, tu me le tues. T'es sérieux? Chance. Allez. Non. C'était nul ça. J'ajuste ma visée. Je peux bouger. Une canarde. Oula. J'ai cru qu'il allait me lancer une grenade. Alors c'est juste du fumigène. Ah il sent, tu me le tues. On se reverra en enfer. Alors tout d'un coup elle a diminué ça. Ah non mais non c'est pas le même. J'allais dire tout d'un coup la précision a diminué mais non. C'est juste pas le même perso. Mais j'ai plus de fusillade parce que sinon je serais bien monté en haut. On va essayer. Si tu, genre tu me le touches, je t'appelle papa. Non. M'étonne pas trop. Genre s'il y a quelqu'un qui arrive à le toucher, ce sera déjà peut-être un peu plus visible. Comment ça le tir est bloqué? Je balance une roquette. Ah ça va le faire tomber ou en tout cas... Je pense que ça l'a bien embêté. Bien, commandant. Oh non! Là on a un 27% et un 9%. Il l'a eu. Bon, et toi, tu te sauves la vie tout seul. Eh ben non, c'est pas sauver la vie tout seul du tout. What? J'ai tellement de chance. Alors d'habitude, j'ai toujours pas de chance, mais là... Là, c'est assez hallucinant. Parce que du coup... J'ai enfin possibilité de faire quelque chose. Je suis prêt. Voilà, on va recharger. On va avancer, recharger. Zut, j'aurais dû avancer par là-bas en fait. Pourquoi je l'ai posé ici lui? Chargé, préparé. J'y vais. Allez, tu... Non. Raté. Allez, avance. Je suis en route. Allez, on avance. On se reverra en enfer. Encore.
encore ça va, j'aurais pu lui envoyer une grenade. YOLO. Non, c'est genre pas super cool les emplacements là où ils se sont foutus. Mais genre pas du tout. J'y vais tout de suite. Ah, attendez, t'es passé par où là? Ok, toi. Tu as pas eu? Ok, on est dans la caca, c'est officiel. Non, grenade frag, on va essayer la grenade. Est-ce que tu peux toucher les deux à la fois? Yes. Ouh, un joli vol. Non merde, j'ai sprinté. Oh là là, c'est bug, c'est bug, c'est casse-pied des fois. Quand la caméra n'a pas fini de bouger. Je suis en route. Non. Non mais non, c'est pas possible. Ah, t'as pas le choix. Y'a que toi qui peux nous sauver. Bon là. Corps à corps, ça devrait aller, mais quand même. En coup critique. Commandant, nous avons réussi à pirater le relais et à bloquer le système de communication d'Exalt. Il faut continuer à chercher les autres relais pour obtenir le reste des données. Ok, et ben on va arrêter là cet épisode, ça fait 20 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous!